Et bon. salut à tous à les amis j'espère. Ok bande de pédé, comment allez-vous les amis <laughs> Vous êtes vraiment des fils de pute. On se retrouve aujourd'hui les amis pour une petite vidéo euh, sur CofAction pour vous annoncer comme vous avez vu dans le titre mon départ de CofAction. Donc là vous allez dire, wow, icon, il tire avec toute la thune, bla 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 bla. Donc je vais un peu vous expliquer pourquoi euh, je me tire de CofAction et puis je suis pas vraiment celui qui l'a fait ça, donc euh, je vais vous expliquer. Je pense pas que Cofaction va continuer à marcher les amis, je vais vous dire pourquoi, parce que je viens juste d'avoir une discussion avec faire que fuck, peu importe comment c'est quoi son estime nom de merde. Et il m'a dit très bien, euh, je ne repayerai plus les machines, je m'en bats les couilles, j'ai eu ce que je voulais. Donc quand il dit ce que je voulais, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'il a eu. Donc premièrement, avec l'argent de Cofaction, au départ on s'est entendu que, euh, que Monsieur Bilka allait toucher l'argent des PCF cards, moi le Star Pass, et euh, lui, Fanfi le Paypal pas. Donc... En expliquant ça vite fait, à chaque fois qu'il y avait une machine à payer ou quelque chose à payer, on faisait, euh, on prenait l'argent du StarPass parce que vous aurez compris que le StarPass fait normalement un peu plus d'argent que d'habitude. Or, ce n'est pas vraiment le cas dans cette situation-là. Le Paypal a fait beaucoup plus d'argent que le StarPass. Je sais pas pourquoi. C'est le premier serveur que ça me fait ça aussi. Enfin bon, bref. Et euh, Fanfi en a profité pour s'acheter un téléphone, une nouvelle carte graphique, euh, vraiment max de trucs, des billets pour aller en Turquie, des billets d'avion, plein de trucs comme ça. Tandis que Monsieur Bulka euh, il a rien eu l'enfant, il n'y a rien eu et moi j'ai eu 200 euros pour m'acheter euh, un casque, deux casques deux fois des casques, euh, des casques qu'on met sur notre tête là, des casques micro quoi. Et puis au final ben y a, y a ouais ta gueule, Bande de... ok vous êtes vraiment des fils pute. De... Et au final il y a seulement une personne dans toute le staff qui a profité de l'argent de vous les gens donc j'ai décidé de juste de me dissocier d'eux, de quitter ce, le projet Coff Action. Pourquoi Parce que ben, moi au débord mon serveur c'était pas vraiment pour faire de l'argent, c'était vraiment un serveur pour avoir euh, avoir mes abonnés dessus, s'amuser et tout et tout. Et puis là, ben ça au final, tu sais, même pas profiter moi-même. J'aurais pu prendre l'argent pour m'acheter euh, des trucs vraiment OP, genre euh, nouveau PC de la marque dessus, vous savez qui est brisé en ce moment là, de toute façon. C'est plein de trucs comme ça. Mais j'ai ai toujours laissé dans le compte pour pouvoir payer les machines, pouvoir faire des giveaways, des trucs comme ça. Quand je faisais des giveaways, des comptes Minecraft et tout, ben je prenais cet argent-là, ces trucs comme ça, vous voyez. c'était... L'argent servait pour vous parce que ben c'était votre argent. Puis au final, ben on s'est fait baiser moi pubulka dans le cul. Donc voilà. À sec en plus, sans capote. Donc euh, j'espère que je n'ai pas attrapé le sida. Et puis voilà. So je vais juste vous dire aussi, il m'a demandé si je voulais garder le nom euh, Cofaction. Et je lui ai dit que j'allais pas garder le nom Cofaction. Et pourquoi Je vais vous expliquer pourquoi Cofaction va pas réouvrir. Euh... Ben, s'il réouvre, ça va être sur celui qui va le garder dans le fond, mais ça sera plus moi. Euh, moi, je vais réouvrir un autre truc, mais vraiment un autre truc, mais différent. Vous allez voir, il n'y aura pas euh, nécessairement euh, de, de, des trucs euh, comme ça, genre des grades sur la boutique et tout, ça va, ça va être un truc vraiment différent, il y aura pas... Euh, ça va être vraiment un truc que moi j'aime, que je vais le faire moi-même, c'est moi qui va contrôler tout. Euh, pourquoi contrôler tout Vous allez me dire, ouais mais écoute, ça te prend des builders, ça te prend des personnes qui font les machines et tout. Justement, il faudra que je trouve quelqu'un qui s'occupe des machines parce que moi je sais pas faire ça. Les builders, j'ai déjà vu le cas que je vais payer sous contrat, et puis euh, et puis le reste ça va, ça va se passer... Euh, euh, c'est moi qui va gérer quoi, le, le ramener du youtubeur etc, etc... Et puis, euh, puis j'espère vraiment que, que vous allez comprendre dans cette vidéo là, les amis, que... Mon but c'est pas que vous arrêtez de jouer sur Covaction malgré que ça me ferait plaisir que vous arrêtez de jouer parce que le, le, le fondateur principal, maintenant, c'est un gros trou de cul. Je respecte totalement Bulka. Bulka, je suis un grand fan de ce gars là, les amis, je vais vous expliquer pourquoi tout de suite après. Bulka, ça fait des mois et des mois qu'il est patient, qu'il a jamais rien touché, et qui a toujours été là, gentil, à toujours nous reconstruit des spawns, il a construit au moins... Si je veux, pas, je veux pas dire de conneries à peu près... 4-5 spawns et puis à chaque fois il y a toujours des trucs que moi et Fanfir on n'aimait pas donc ils recommençaient ils recommençaient ils recommençaient donc il y a vraiment il a vraiment travaillé comme un fou et puis je trouve ça dommage aujourd'hui qu'il n'y ait toujours pas le PC qui, qui aurait voulu parce que si vous ne savez pas, Bulka, il y a un PC de merde et il travaille dans des conditions un peu merdiques avec peut-être une vingtaine de FPS et il réussit quand même à construire des trucs de fou mais moi, nous, on y avait promis ça puis on n'a pas réussi à... J'ai pas réussi à, en, à en remettre ma promesse. Donc je me sens un peu mal. Mais voilà. L'argent qui reste sur le Star Pass à ce moment, je vais justement toute la donner à Bulka. Euh, pourquoi Parce que ben, c'est lui qui a le travail le plus. Donc il reste exactement, je crois, 2 300 euros. Parce que le... Reste je l'avais déjà donné à fanfi pour euh, juste avant qu'il parte en turquie euh, pour payer euh, la machine je crois non pour euh, remplacer un, un, un litissage que ce que, que, que quelqu'un avait fait donc en gros quelqu'un avait fait un littage d'environ 100 euros donc euh, ça y a pris 200 euros quelque chose comme ça enfin bon c'est ce qu'il m'a dit moi je connais pas trop ça les amis vous savez je suis pas quelqu'un qui connaît trop ça moi le seul truc que je suis bon en vie, c'est faire des vidéos sur minecraft donc euh, c'est pas vraiment un talent donc euh, on va pas euh, on va pas élargir le, le sujet mais voilà, Je voulais juste vous dire que je quittais qu'en faction. Euh, je sais pas si je vais rouvrir un truc tout de suite. Tout de suite, euh, j'aimerais ça, mais j'ai pas personne qui sait, qui sait faire, qui sait s'occuper des machines, etc. La configurer au max. Donc ça va être un peu chaud. Euh, donc je vais essayer de me construire un truc euh, tout seul et tout. Euh, puis euh, je verrai en temps et lieu où -ce que ça, cela nous mène. Donc voilà les amis, je suis vraiment désolé euh, de tout ça. Il euh, y a Johanna, euh, Squid et tout ça. J'imagine que vous avez tous quitté le staff aussi. Euh, donc voilà. Oui. Je pense pas que les, les autres vont rester. Ils, ils, ils étaient là durant la conversation, donc si vous avez quelque chose à rajouter, dites-le maintenant, que ce soit sur Fanfi ou quoi que ce soit, ben dites-le maintenant, comme ça. Ben donc on, on, on lave notre linge sale tout ici, puis voilà, c'est parti. Donc Joanna, je te donne la parole, puis après ça les autres, chacun votre tour. Par rapport à quoi À Fanfi Bah ben ouais, par rapport à. Qu'est-ce qui s'est qu passé, et tout Qu'est-ce que ton, ton avis sur ce qui s'est passé, et tout Donc je te laisse parler. Je sais pas, c'est toi quoi pour naviguer sur Cafaxion qu'est-ce qui euh, tout simplement que Fanfi j'ai jamais aimé et... il a toujours un co... eu un comportement de gamin d'ailleurs sur Skype on parlait tranquillement il est venu il a commencé à insulter à deux reprises ah, je comme je dit tout à l'heure euh, en réunion de en gros on s'est expliqué avec tout le staff on s'est dit ce qu'il avait à dire parce que personne dans le staff a réellement dit ce qu'il pensait enfin bref on va revenir là-dessus mais euh, je lui ai dit que que ouais c'est sûr il, il osait mettre euh, dans, sur le site qu'il y avait un... un bah, si vous aviez marre des gamins, venez sur k parce qu'il y a un staff mature donc quand je dis staff mature je parle de fanfi parce qu'il est absolument pas mature bah comme je vous l'ai dit, il, euh, il insulte pour rien il fait son gamin ça, il, il prend les gens de haut, ça sert à rien, j'ai même pas de mots pour... mais il prend les gens de haut, enfin surtout qu'il en fait, qu a tous les droits, qu'il est voilà. permis tout que... en fait ce qui me rend mal c'est que k il, il fonctionne grâce à icons parce que en fait sans icons il serait rien parce qu'il a pas de youtube il a pas d'abonnés en fait j'ai envie de vous dire il s'est barré avec l'argent oui c'est vrai et en gros il a profité de nous parce qu'en vrai lui qu'est ce qu'il a fait Il a pas fait grand chose en fait justement c'est ce que il je vais a, vous expliquer En fait il a fait il a fait le modding du launcher Il a fait du modding du launcher Et les autres trucs qu'il savait pas faire il payait des gars pour le faire de 300€ donc Il payait voilà, Il payait, payait quelqu'un pour il faire son plus boulot tu vois hein. Donc voilà je euh, oui, mais... trouve ça quand même, ouais, c'est, voilà quoi. Enfin bon, je vais pas revenir là-dessus les amis. Euh, ya il quelque chose d'autre, a que quelqu'un qui a d'autres choses à dire Blackbird, Squid, ou je sais pas, vous ah, autres vous êtes ça. des petits puceaux, donc bah, rien d'autre à dire. Quoi. Voilà, <laughs> bon, elle a tout dit donc. Euh... Fait la verre, surtout. Voilà, donc mais, euh... ils sont potes à la base, c'est deux potes ouais. hein. Ouais, Enfin bon, je vais pas vraiment revenir potes, sur le quoi. sujet les amis, je veux juste plus qu'on me parle de cofaction dans les commentaires. Euh, si vous avez fait des euh des versements qui okay, euh, via euh, des, euh, des pcf cards qui sont pas... vous allez transférer des pcf cards qui sont toujours pas activés ou... Si... Faites juste les tester voir si sont activés et essayez de récupérer votre argent sur d'autres serveurs ou quoi euh, en espérant pour vous qu'ils sont pas été activés par euh, Fanfi. Et puis... Euh, puis c'est tout ce que j'ai à vous dire hein, Ben je sais pas les gars, je vous propose... c'est le seul truc que je vous propose Je vous propose aussi, euh, je vais faire gagner... Euh, je vais prendre de l'argent que moi j'ai euh, personnellement je vais prendre 100 dollars canadiens vous, vous savez que j'ai pas d'euros les amis je suis vraiment désolé donc 100 dollars canadiens ça fait environ 70 ou 60 euros donc je vais faire un concours sur twitter pour gagner ça euh, pour vraiment m'excuser de tous les amis donc suivez moi sur twitter pour euh, pour ça et puis et euh, quittez pas la prochaine fois que je vais faire un serveur je vais vraiment pas m'associer avec des gens euh, des trucs tu de et surtout pas des arabes parce que voilà ça, ils, ils volent tout <rire> <rire> non, <laughs> non. c'est hey, 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 une blague les gars c'était une fan c'est une vanne les gars, Ils putain vous êtes des bâtards. Hey, c'est des vannes, non je rigole, je rigole. Je rigole parce qu'en fait euh, En fait Bilka il est aussi arabe je crois. En fait je crois que c'est Bilka qui est arabe mais bon. Ouais. Bilka je te kiffe mon pote, sérieux si tu écoutes cette vidéo là. Non, euh, mais Bilka, tout l'argent la qui reste sur Star Pass tu vas l'avoir l'argent qu'il a sur Starpass mon pote tu vas l'avoir et puis je, je te souhaite bonne continuation dans tes projets de build euh, aussi ben justement les spawns de cofaction sont tous en vente donc je vais les mettre en vente pour que Bulka puisse avoir de l'argent pour payer son PC donc si vous êtes intéressé à acheter un spawn de cofaction pour une centaine d'euros euh, vraiment les spawns Warzone et tout et en plus il y a des versions qui sont jamais sorties qui a des spawns que Bulka a construit des magnifiques spawns qui sont jamais sortis, donc si vous avez envie euh, de les voir ben euh Dites-le moi je vais faire une petite vidéo pour que euh, le cas puisse acheter son PC, c'est la seule truc que je peux lui, pour, lui permettre, c'est de vendre ses maps euh, de spawn pour qu'il puisse essayer de vous euh, de se payer un bon PC. Donc si vous avez des commandes, des demandes de, de spawn et tout, euh, il fait des warzones et des, euh, des spawns, vraiment tout, 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 ce que vous voulez. Mais il vous fait des prix quand même assez élevés parce qu'il ben, travaille vite et pas cher. Donc en, en 24 heures, il peut te faire un spawn. 48 heures, je crois qu'il fait un spawn euh, full complet pour un serveur. Le spawn de confection là, il le fait en, en 48 heures. Donc voilà, il est capable de faire un bon spawn en 48 heures. Et puis j'espère vraiment, les amis, que, tu, euh, que, vous allez, euh, que vous allez quand même me donner votre avis dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que je devrais rouvrir un serveur maintenant ou attendre quelques mois euh, je sais vraiment pas en fait est-ce quelle ouais. que, ouais. version si vous jouez un serveur 1.8 1.7 Qu'est-ce que vous voulez sur le serveur, dites-moi tout ça. On a déjà des putains de projets avec euh, avec euh, Bulka, avec euh, Blackbird, ouais, bah, Keshux. En fait, pour l'instant les amis, je voudrais expliquer les staff que vous... Les gens que vous entendez parler ouais, là en ce pas moment... Pas le les gens que vous entendez parler en ce moment, c'est les gens qui vont être, qui vont toujours me suivre dans le sens qu'ils vont toujours être dans mon staff genre ah, Malfox va être, être chef modo admin <rire> et <rire> Blackbird et tout. Et oh c'est fils de pute. Ok c'est bon. C'est bon, c'est bon. Non je retiens, je retiens. Non mais tous les gens là, c'est... Tous des gens qui, qui tu sait bon, qui ont toujours été là près de nous donc voilà. Ouais bah ouais bien sûr je savais mon pote Bref, bref, bref ouais. les copains, je vais juste vous dire ici les amis que je suis vraiment désolé encore une fois je m'excuse du plus profond de mon cœur. Je vous aime tous vraiment du Ouh. plus je vous aime tous les amis puis je suis vraiment désolé d'avoir vous avoir fait perdre votre temps etc et euh, j'espère sincèrement que vous allez comprendre que j'ai fait de mon mieux pour que, que ça tienne. Ça faisait déjà plusieurs mois que ça l'allait plus disons entre le staff. Puis j'ai essayé qu que, que ça répare. J'ai essayé de rester. hein, j On vous préparait Cap Faction Bleu. On vous préparait un nouveau serveur euh, qui allait sortir normalement dans une semaine. Mais je suis pas capable de rester avec quelqu'un qui arnaque les joueurs. Et ça lui a permis de, de faire encore plus d'argent avec l'ouverture du nouveau serveur. Donc c'est quelque chose que je ne voulais pas. Euh, puis euh, voilà, je suis vraiment navré les amis encore une fois. Euh, comme je ai dit, je vais essayer de faire un compte, un post sur Twitter pour faire gagner de la thune. Mais euh, je suis vraiment, mais vraiment plus du plus profond de mon cœur désolé les amis. Et euh, je vais essayer de retrouver de l'argent pour refaire un autre serveur les amis. Je vais sûrement prendre de l'argent moi de base pour investir pour refaire mon serveur avec euh, Malfox, Blackbird, Squid, Joanna et euh, mes amis à moi pas des gens que je connais pas nécessairement parce que je vais vous expliquer, au départ je connaissais pas vraiment Fanfi. Ils m'ont juste approché pour euh, faire, euh, pour être devenir euh, leur ambassadeur dans le sens comme ça, un peu comme Frigel sur Epicube. C'est moi qui a propulsé le serveur et puis après, ben voilà. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je pense que les machines de K-Faction vont être fermées. Il va pas les repayer parce qu'il m'a clairement dit, je m'en fous, j'ai eu ce que je voulais. Donc en gros, il y a eu son téléphone, il y a eu sa carte graphique, il y a eu ses billets d'avion pour la Turquie. Il y a eu parti avec plus de 3000 euros. Donc voilà, je crois qu'il a eu tout ce qu'il voulait. Euh, pour ma part les amis, comme je dis, je me sens vraiment mal en ce moment de faire cette vidéo là. C est, c est, je sais pas, je, je me sens très genre Confaction, c'est mon bijou, c'est moi qui avait créé le nom, c'est moi qui avait tout créé le projet, c'est moi qui avait donné le projet, et puis eux, ben lui il a juste investi pour mettre la thune et lui qui a construit le spawn. Donc toutes les idées de ça c'est toujours été mes idées et tout, malgré que certains trucs euh, ils ont pas passé à cause que Fanfi connaissait pas rien au PvP faction et puis tout, donc euh, voilà. Il y a aussi Black Oh Black mon pote, Blackbird, World qui a fait des idées aussi, beaucoup d'idées, pardonne moi mon beau. Et euh, il y a vraiment plein de gens qui ont participé au projet. Donc je voudrais vraiment remercier tous les joueurs qui ont passé sur action et aussi toutes les membres du staff qui ont été là donc animaux et, et tout si vous avez si vous aviez pas compris pourquoi vous avez été viré ben c'est justement pour ça parce que en fait vous êtes mon staff à moi mes amis à moi et si j'ai réussi à avoir inquiétez vous pas les amis je vais compter sur vous sur ce les amis ah, non, ben voilà, il a pas été viré, mais c'est... On a juste retiré tous les grades, parce que je voulais plus que mon staff à moi, mes amis à moi, euh, ouais, travaillent pour un fils de si pute, de, de nous Voilà. Bref, on va le laisser sur nous ça. <laughs> c'est bon, Johanna, c'est bon. Calme-toi, calme-toi. <laughs> on va se laisser sur ouais. ce, les, les amis. Je vous aime tous Merci. pour profond mon cœur. C'était Icon. bisous <laughs>